We call Dr. Bohmadi for the next presentation. Case report associated in adenopathy, splenomegaly and cytopenia from the Chevron unit in Casablanca, immunology. Honorable assistance, j'ai l'honneur de me retrouver parmi vous aujourd'hui pour vous présenter un cas intéressant qu'on a eu dans notre service associant des adénopathies, une splénomégalie et des cytopénies. Comme introduction, donc juste pour rappeler que généralement lorsqu'on a des cas qui associent ces trois pathologies-là, c'est généralement dans le cadre d'une pathologie hématologique tumorale. Donc pour présenter la patiente, c'est une enfant de sexe féminin, troisième d'une fratrie de 4, âgée de 10 ans, sans aucun antécédent particulier. La problématique chez cette patiente était justement qu'elle a été hospitalisée initialement au service d'hématologie pour une fièvre non chiffrée, récurrente, évoluant depuis un an, dans un contexte d'amaigrissement et d'altération de l'état général, avec à l'examen clinique une pâleur cutanée ou muqueuse, des adénopathies cervicales, axillaires et inguinales mobiles et indolores, ainsi qu'une splénomégalie de 15 cm. Les diagnostics évoqués à ce stade-là étaient principalement une atteinte tumorale à type de leucose aiguë ou un lymphome avec atteinte médulaire, ou ensuite une atteinte infectieuse à type de leishmaniose viscérale ou de tuberculose multifocale. Les bilans réalisés au service d'hématologie dans ce sens étaient une NFS qui avait montré une hémoglobine à 5,6, des blancs à 2500 avec des lymphocytes à 900, une CRP augmentée à 101 avec à la radiothorax un gros I et une opacité confluente du lobe moyen droit. L'écho abdominal avait montré une splénomégalie micronodulaire avec une absence d'adénopathie. Sérologie leishmaniose était négative avec un myélogramme avec lecture parasitaire aussi normale. Je vous présente ici la radiographie de la patiente. Par la suite, la patiente avait présenté une très bonne évolution sous antibiothérapie, la C3G et ceftriaxone. Et par la suite, elle fut transférée au service de maladies infectieuses et d'immunologie clinique pour complément de prise en charge. Lors de son admission dans notre service, l'enfant était en bon état général, stable, apyrétique. Elle a gardé une légère pâleur cutanée ou muqueuse. On a toujours retrouvé la adénopathie cervicale, susclaviculaire, axillaire et inguinale, non inflammatoire et mobile. La splénomégalie était toujours là à 15 cm, sans autre anomalie. Donc pour faire une petite synthèse, c'est une fièvre récurrente qui évolue depuis un an, associée à des adénopathies cervicales, susclaviculaires, axillaires et inguinales, non inflammatoires, et à une splénomégalie chez une enfant de 10 ans sans antécédent. Ayant une pancytopénie à l'annulation formule sanguine, avec un myélogramme normal, un bilan inflammatoire positif, à la radiothorax un gros île avec une opacité confluente du lobe moyen droit et une sérologie leishmaniose négative. Les diagnostics qu'on avait à évoquer, après avoir éliminé les trois premiers selon le bilan initial, on a aussi pensé à une tuberculose multifocale, une sarcoïdose ou bien un déficit immunitaire, qu'il soit acquis ou qu'il soit primitif, à type de déficit immunitaire commun variable avec des cytopénies auto-immunes et une lymphoprolifération, ou bien la LPS. Dans ce sens, un bilan immunitaire a été réalisé, la sérologie VIH a été négative, le dosage des immunoglobulines ici présentées était normal, autant que pour les sous-populations lymphocytaires, même la vitamine B12 a été dosée et qui est revenue normale. Le reste du bilan, une calcémie qui était normale, la CRP qui avait diminué vers 99 versus 101 au début, l'IDR à la tuberculine qui était négative, le quantiféron qui était négatif et la biopsie ganglionnaire qui a été réalisée et revenue avec un aspect d'adénite non spécifique. Par la suite, la patiente a présenté une apyrexie de 15 jours sans absolument aucun traitement, avec une régression des adénopathies subclaviculaires et cervicales et une diminution de la CRP à 31 versus 101. Sans aucun traitement, on a eu une amélioration vraiment notable. Par la suite, reprise de la fièvre avec douleur abdominale, ce qui a motivé la réalisation d'une écho abdominale qui a objectivé une splénomégalie micronodulaire avec des adénopathies multiples, longue voie aortique et iliaque largement nécrosée. Vu l'aspect à l'écho abdominal, en association avec l'aspect à la radiothorax, on a démarré un traitement antibacillaire. Sous ce traitement-là, on a eu aussi une très bonne amélioration. Une apyrexie avec un gain de poids de 2 kg, une diminution de la splénomégalie, et c'est ainsi qu'elle est sortie sous antibacillaire. Après 2 mois, où la patiente était parfaitement asymptomatique, elle est revenue pour la reprise du même tableau, toujours sous antibacillaire. Fièvre, pâleur, adénopathie, augmentation de la splénomégalie, asthénie et sueur. C'est l'aspect radiologique qu'on a retrouvé après sa réadmission. Devant ce tableau-là, on a pensé à une sarcoïdose qui pourrait évoluer par poussée, à un syndrome d'activation macrophagique, à un lupus ou à un lymphome, même si la première biopsie était normale. Donc on a complété les bilans dans ce sens. Le bilan de sarcoïdose que je vous présente ici était normal.
avec l'électrophorèse de protéines qui montrait juste un syndrome inflammatoire, la vitamine D qui est normale, la radio osseuse qui montre une lyse osseuse avec des géodes, la TDM thoracique, des adénopathies médiastinales axillaires et cervicales, biopsie des glandes salivaires normale, la ponction biopsie du foie normale, l'examen ophtalmo normal. Pour le syndrome d'activation macrophagique, au niveau de l'énéphase, on avait une anémie à 5,7, mais sinon, l'alfibrinogène était à 4,3, une ferritinémie à 352, et au niveau du myélogramme, la moelle était régénérative avec une absence d'hémophagocytose, ce qui n'est pas en faveur du syndrome d'activation macrophagique. On a aussi pensé au lupus, mais tous les bilans dans ce sens étaient négatifs ou normaux. Et c'est ainsi qu'on a repensé au lymphome et on a réalisé une autre biopsie ganglionnaire, qui cette fois a montré une lymphoprolifération CD30 positif et CD15 positif, qui est compatible avec un lymphome de Hodgkin classique, stade 4, grand B, petit b. Et la BOM a montré une infiltration médulaire par prolifération lymphomateuse CD30+. Dans ce sens, on a réalisé un bilan d'extension, une écho cervicale qui a montré les adénopathies, l'écho abdominal, toujours les mêmes adénopathies avec la splénomégalie, la TDM thoraco-abdominale, des adénopathies aussi cervico-médiastino-abdominales et des lésions ostéocondensantes et ostéolytiques du rachis, du sternum et des ailes iliaques. Et la scintigraphie osseuse qui a été réalisée a montré deux minuscules foyers d'hyperfixation en regard du pédicule gauche de D11 et de l'aile iliaque droite. Donc le diagnostic final, c'était finalement un lymphome de Hodgkin. Donc soit c'est un lymphome d'évolution crénante et par poussée, qui a été compliqué de cytopénie auto-immune qui pourrait expliquer le tableau clinique initial, ou bien c'était un déficit immunitaire comme invariable ou une ALPS qui a été compliqué par la suite d'un lymphome de Hodgkin, ce qui pourrait expliquer qu'on n'a rien trouvé au niveau de la première biopsie réalisée. L'évolution chez cette malade était favorable, sous cure de chimiothérapie, avec une bonne régression des symptômes, normalisation du bilan et sortie par la suite. Je vous remercie.